Alors bonjour, aujourd'hui pour notre reportage sur le volcanisme, nous aurons la chance d'entrer en contact avec notre collègue Marie-Soleil qui est présentement sur les lieux d'un volcan à l'île de Fogo, donc le volcan Fogo, au Cap-Vert en Afrique, et nous aurons l'occasion de lui parler pour avoir plus de détails puisqu'une éventuelle éruption pourrait avoir lieu. Oui, alors bonjour Annie, nous venons tout juste d'arriver sur les lieux du volcan, comme vous pouvez voir derrière moi le volcan Fogo. Alors tout porte à croire qu'il entrera bientôt en activité puisque les habitants ont ressenti le sol trembler ces derniers jours. Vous comprendrez que nous attendons avec impatience l'éruption volcanique. Alors Marie-Soleil, merci. Alors pouvez-vous nous en dire davantage pour nous aider à comprendre ce phénomène? Mais bien sûr, permettez-moi de vous présenter une petite animation pour vous permettre de mieux visualiser le tout. Le magma étant très chaud, des mouvements de convection se font à l'intérieur, ce qui entraîne les plaques tectoniques l'une vers l'autre. On remarque que la plaque tectonique la plus lourde s'enfonce en dessous de l'autre. En s'enfonçant dans le magma, la plaque fond, ce surplus de matériel-là sera alors expulsé à la surface pour former le volcan. Attendez, ma petite dame, j'arrive.